papillon, hein. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Et ça peut attendre. Ah non, le terrain. Voilà. En espérant qu'il y ait un peu pion dès l'entrée en fait. Bonjour, monsieur Papillon. Ok, c'est bon. Comme ça, on peut le rendre. Attends, quoi qu'on va aller quand même dans les mines, zone 4, je crois. Zone 4, zone 4, zone 4. Ok. Non, non, non. Le raccourci. Ouais, là j'en ai plus là. Zone 4. Je vais quand même vérifier exactement où il est en fait. Non, c'est pas celui-là. Près de la zone 4 de la mine. Non, à chaque fois je me trompe. Près de la zone 4, mince. Hop, merci. Voilà. La zone 4, mais franchement, je sais même pas elle est où cette zone, quoi. J'en ai pas le souvenir. Ouais, c'est le puits numéro 4, pas... où est-ce qu'il peut être? Non, c'est pas lui qui est près des champignons. Ah si, c'est lui. Près des champignons. Examiner. Non, c'est pas lui. Il me semble que je l'avais croisé hors vidéo en fait. Et je
me souviens pas si c'est ici. Mais il est où? Il est dans le trou? Non, il est pas là. Des champignons. Ah bah il est là. Ah, punaise. On retourne à Fenmoon de ce côté. Oh, le temps qu'il apparaisse quand même. Voilà. Voilà. Le bourbier, il boit dans une flaque d'eau, ok. Cela, je pense qu'on va les garder pour la fin. Lui aussi, je pense. On l'a vu dans un trou dans, de la région sud-ouest. Ok. Et lui, il est caché sous une grosse feuille. Alors, on va commencer par de ce côté. Comme ça, on peut voir où exactement on peut aller. Il y a un bacquoi, quoi. Et dans un trou au sud-ouest. Alors, on va longer comme ça pour trouver le trou. C'est la seule technique que j'ai trouvée pour bien me repérer en fait. Non. On a dépassé un trou ici. Il serait pas dedans quand même. Enfin, non, pas à côté. Non, 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 non. Non. Je vais quand même revérifier là, c'est vraiment chaud. Chaud. Dans un trou de la région au sud-ouest. Donc on est bien dans la région sud-ouest. Là, c'est pour aller dans la région centrale. Ah, il est peut-être en bas. Y a pas un trou. Oh merde. Ok. Ça va être rapide. Très très rapide même. Tut. Ok. Voilà. Y a pas un trou ici? Ah si. Mais ça se fout de ma gueule là. Le chat est de retour. C'est bien gentil, mais moi je cherche un trou en fait. Tu en vas loin? Non, il n'y a pas ici. Le backwag. Il y en a un autre là-bas.
Mais bah quoi qu'il se promène tranquille, pépère. Faites qu'il soit dans ce trou. Putain, mais il se fout vraiment de ma gueule. Là, j'ai utilisé toutes les possibilités. C'est vraiment bizarre. Où il est le trou là? Parce que je l'ai pas entendu miauler. À moins qu'il y a deux trous ici, mais ça m'étonnerait. On va aller par là pour voir. Donc, ce qu'on va faire, on va monter en haut. À moins que c'est moi qui ai mal lu. Ouais, c'est moi qui ai mal lu. Oh, cool. Le prochain. On a fait la grande route de Banner. Ça y est, j'ai déjà oublié. Ah non, c'est bon, je m'en souviens. Ah, il est où le marais, le marais? Bon bah on va faire ça d'abord. Ah, il est pas très loin, je pense qu'il est pas très loin du marais donc. Tiens toi, qu'est-ce que t'as à vendre? Merci. Je suis obligé de faire des emplettes à nouveau à cause d'eux. Ok, c'est pas ici. C'est une grande flaque d'eau. Et celle-ci, elle est minuscule. C'est celle-ci. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Allez, on se casse. Maintenant, on va aller chercher ton frère. Enfin, même si je suis pas. Enfin, même si je sais pas si c'est un mâle ou une femelle déjà. Bon, on va dire, on va chercher ton frère ou ta sœur. Mon petit chat. En plus vous êtes 100. Je sais même pas où j'en ai trouvé combien. Bonjour. Alors il s'abrite de la pluie. Il est en quelque part en dessous. Enfin en dessous des feuilles. Hop là. Oui, c'était inévitable, comme par hasard. Hop là. Impressive. Ok. Ils sont assez résistants. Tu te calmes tout de suite. Voilà. Les pluies. Là où il y a le plus de pluie, c'est de l'autre côté quand même. Hein.
Là, ça commence plus ou moins à tomber, mais c'est pas ici. Jeter. Alors, t'es soit ici. Ok. Non, c'est pas ici qu'il est. Non, lâchez-moi. Non, il est pas ici. Où est-ce qu'il est tombé? T'es quand même pas de l'autre côté quand même, hein. Allez, on sait. Ah ouais, toi t'es à la limite quand même. Qu'est-ce que je... D'abord, c'est plus que c'est chiant, hein, que vous soyez sur ma ligne. J'ai cru l'entendre. Enfin, sur mon chemin plutôt. J'ai cru entendre un chat. Le chat il est revenu en plus. Ah bah tu retombes parce que j'en ai besoin d'encore deux. S'il est pas ici, on va relire quand même. On m'a dit qu'il s'abritait de la pluie près des marais. Sous une grosse feuille. Ah. Ah ben non. Si c'est pas ici, il est clairement de l'autre côté. Enfin, il est dans l'un des... Dans l'un de ces trucs. Le trou où Dieu est tombé pendant la guerre. Enfin, pendant la bataille. Il est pas ici. Faut aller direction la toundra. On va tester l'une des deux. Parce que je suis sûr qu'il est ici. Il se cache plutôt bien. Punaise, mais tu te caches vraiment bien, quoi. Bon, là, il y a plus gros des feuilles. Le toundra. Non, me dis pas que t'es ici quand même.
Ah, il est où alors? Ah, c'est bizarre, je suis persuadé de l'avoir entendu tout à l'heure. Je suis sûr et certain de l'avoir entendu. Ça m'étonnerait qu'il soit dans la tente. Ici, il n'y a plus de feuilles. Ok. Ok. Bon, si on l'a pas trouvé, on le laisse. Et on ira le chercher un peu plus tard. Ah, là, ce chat, il me pose une colle quand même. Puisque ça m'étonnerait qu'il soit ici. Il s'abrite de la pluie près des marais. Cassé, merci. Toi aussi. Ah bah il est juste là, d'accord. Et maintenant on retourne à Fenmoon. On dépose tout ça et on commence les chapitres histoire. Je crois qu'on va passer au 3-4, il me semble. Hop, voilà. Et on va quand même prendre les 3 derniers. Comme ça, c'est fait. Et on va se reposer. Oh, il y a une... Ah ben, c'est l'histoire d'Alvin après. Donc, si vous m'entendez plus pendant quelques secondes, c'est normal. Ah, it's you. What's up? Ah, je viens voir comment tu vas. Well, your concern is touching. But I'm a little old to be needing a babysitter. Don't you have better things to do? He's just worried about you, Alvin. Sheesh, no need to be a jerk about it. Duty calls.
Better get that. Department of Dimensional Affairs here. I'm calling because we've detected a new fractured dimension. Knew it. Better hightail it over there and smash that thing. Yes, please do. I've sent over the coordinates. We believe the rift is in Nia Kara. I'm counting on you. That Vera is all business, huh? Well, let's just hurry up and get to it. Yep. Et ça veut dire qu'on... Ok. Ok. Je vais prendre Elise. Puis on sait jamais avec Léa. Elle a pris... Ah si, elle a pris Résurrection. Je sais pas quand, mais elle l'a pris. Alors, Nia Kara. So this is Nia Kara, right? Over there. Hey, check out Press's ring. Maybe? But I'm pretty sure we're supposed to destroy it. But why is Alvin with her? This dimension. It's from the past. Me and my pals over there are about to attack Jude's group at the Nia Kara Holomont. Then my two companions will fall off the cliff. If things play out the same way in this dimension, the Divergence Catalyst will go down with them. Probably. We better not let them leave the city. I'll lure Press over there. It's the only way. How are you going to do that? I'll just pretend to be me. Should be easy enough. Let's split up for now. Go wait at Mila's shrine. Be careful. Pourquoi je les sens pas? Et puis ici, il y a Alvin, Agria et Pressa. C'est clairement les événements du premier qui sont en train de se répéter. Mais je pense que ça va se répéter d'une manière assez différente. On vérifie que j'ai tout. On va tous les faire quoi. Ok. Et le reste j'ai pas. Ok, on va se diriger vers le sanctuaire, ok. C'est bon, on s'est reposé. On va sauvegarder pas très loin du sanctuaire parce que je sens que je vais peut-être me faire avoir. On va vérifier quand même leur level à eux. Ah, j'ai pas vu ça. I hope Alvin's okay. Yeah. Oh, it's not that I don't trust him. It's just that this fractured dimension is kind of special. Ils étaient amis tous les deux. Friends? I'm not sure that's exactly it. But I'd like to think they were. It'd be too sad otherwise. The woman with the ring on her finger was once in love with Alvin. He knew that about her and, well, a lot happened between them. I see. But in our world, he wasn't able to save her.
The cliff she was on gave way, and he couldn't get to her in time. He was really broken up about it. Ah, j'ai l'impression que pour toi ça a été dur aussi. Yeah, it was, but I'm okay now. Thank you. Anyway, I wasn't sure if he would be okay handling things by himself like that. But talking it over like this made me realize that all we can do is try to help. After all, he's the one who's getting hit the hardest by all this. As his friends, we have to support him. You know what I mean? Yeah, it'll be okay. Agria, watch over me. I won't give up, I promise. Le chat de retour suite à cette scène nette. Bon, tu retournes pour la troisième fois et tu me les rapportes. On va quand même... Même si je me dis que je vais bien me faire avoir en fait. Au niveau des levels, ça m'étonnerait. Oh ben ça va. Voilà. Tu te calmes là. Allez, l'arc mystique de Ellie. Voilà. Et dès que Elvin reviendra, peut-être qu'on se mettra en lien avec lui. Parce que ce sera plus simple pour briser la garde des ennemis en fait. This is too cruel. Est-ce qu'on a gaspillé des fioles de résurrection? Je m'en souviens pas. Voilà, on sauvegarde. Et on y go. Alvin! Looks like I got here in the nick of time. Press is on her way, so make yourself scarce. You changed your clothes? We're about to fight a major battle. Yeah, well... That's so like you, isn't it? So, what is it? The ring. Huh? I'm afraid I'm gonna need it back. Is this a joke? Sorry. So everything you've said to me was a lie? Pressa, listen. Damn. What? Oh, creepy. You have a twin brother or something? Hell if I know. Two Al's? Pressa, that man's an imposter. Get away from him. You don't believe me? Idiot. The line here is, I want you to trust me. I told you to get away from him. Wait! Pressa! What are you doing, you moron?